Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce jour 11 de notre calendrier de l'Avent avec, encore une fois, on va commencer par ouvrir la sainte, la grande boîte qui pèse mine de rien son poids, faut le dire. Il y a du poids dedans. Il y a du poids. Mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a des trucs. Et du coup, du manga. Sûr à 100% que c'est du manga. Et donc, ce sont cool. Deux tomes d'Enfer et Paradis, je les ai pas vus. Deux tomes d'Enfer et Paradis, le tome 4 et le tome 8 d'Enfer et Paradis. Ah, la série continue. Voilà, je vous montre un petit peu les couves. Enfer et Paradis. Ah là 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 là. Incroyable. Incroyable, Enfer et Paradis, du Hogrid, du grand Hogrid. Lisez Hogrid, c'est beaucoup trop bien. Un de mes mangaka préférés, je me répète. Mais Enfer et Paradis, vu que j'avais déjà eu le tome 10 et 11, bon, bah du coup, ça me complète la série, ça m'en fait 4 sur 20, je crois. Je crois qu'il y en a une vingtaine de mémoire. C'est plutôt cool. J'ai checké un peu, les tomes sont pas excessivement chers d'occasion. Donc, je vais pouvoir compléter la série petit à petit. Est-ce que je vais la rentrer dans mes séries à compléter en 2022? Ah, il y a de fortes chances. Allez, on passe à FNAF. 11e jour, c'est parti. Sachet rouge, on va voir ce qu'il y a dedans. Et donc, wow, il est sorti comme un diable de sa boîte. Ok, bah c'est le bonhomme comme ça. Qu'on a déjà eu plusieurs fois. Voilà, ce petit bonhomme. Rien de bien foufou. Petit bonhomme qu'on a eu déjà deux fois, je crois. Non, on l'a eu une fois. On l'a eu une fois parce que l'autre, il a un chapeau sur la tête avec une hélice. C'était Tristan de Ici Japon Corp. Ok, bon. Elle est vraiment pas folle. Hein. Il y a même des défauts de peinture et tout. Elle est vraiment pas folle. Mais c'est le but du jeu. Les calendriers Funko Pop, c'est pas... Déjà, de base, les Funko Pop, à part les dernières sorties, c'est pas fou. Donc, des mini, fallait pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Et voilà. Deux tomes d'Enfer à Paradis qui font bien plaisir. Et une petite figurine. Allez. Elle est sympa, quand même. Je vais la mettre avec les autres. Et je vais aller ranger Enfer et Paradis. Mais en attendant, je vais vous abandonner là. Oui, dans tous les cas, vous le savez, on se retrouve demain matin, 11h, pour une petite vidéo achat Noz avec des mangas et des figurines. Vous allez voir, c'était plutôt qualitatif. Et on se retrouve aussi, bien évidemment, demain à 18h pour le calendrier de l'Avent. Donc d'ici là, prenez soin de vous, passez une bonne journée, un bon week-end. C'était Méric, boujou, les internautes.